Aujourd'hui, on a gagné ce match avec 4 points. Et c'est les premières choses plus importantes aujourd'hui. Mais après, sur la performance aujourd'hui à l'équipe, c'était moyen que d'habitude. Alors, on a bien travaillé. On a fait moins de travail dans les. Tu vois, avec les savants, on fait beaucoup de fautes dans nos camps. On ne peut pas sortir dans nos camps. Et voilà, on est bien. Mais heureusement, on est bien. On tient le match jusqu'à la fin. Et voilà. Il y a eu le premier tiers-temps où on a fait un peu n'importe quoi, malgré une bonne conquête. On a laissé beaucoup trop d'initiatives aux Bretons et ils en ont profité. Sur les rares ballons qu'on a joués, on a réussi à se faire intercepter un ballon, ils ont marqué. Après, on a réussi à revenir dans le match en jouant et à prendre le score. Et au moment où on aurait dû tuer le match, on a bien dominé pendant 20-25 minutes. Et quand on aurait dû tuer le match, on a redonné le contrôle du match aux Nazériens, surtout dans notre début de seconde demi-temps, où on était incapable de sortir de chez nous. Et on a réussi à reprendre un peu d'espoir pour le point de bonus en faisant un écart. Et on a redonné un ballon d'essai, une interception à Saint-Nazaire pour finalement finir sans jamais sortir de nos 40 mètres, en accumulant les fautes et les approximations. C'est un match comme je les déteste, c'est-à-dire un match où on a semblé être extrêmement insuffisant. On va avoir une équipe supérieure à Saint-Nazaire qui arrive, qui est vanne. Donc je pense que ça doit nous remobiliser et qu'on retrouve un statut d'outsider qui correspond plus à nos capacités du moment.